Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série 5 choses à faire en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouveau converti. Si vous venez de rencontrer le Seigneur il n'y a pas si longtemps, quelques semaines ou quelques mois, eh bien pendant cette semaine, vous allez entendre des instructions qui vont beaucoup vous aider. Et si vous appartenez déjà au Seigneur depuis longtemps, vous avez l'habitude de ces émissions, je vais vous partager des choses vraiment importantes, des fondations, des fondements dans notre vie et je vous invite vraiment à être présent, fidèle tout au long de cette semaine pour écouter ces différentes émissions. Demain, on va parler de chercher la volonté de Dieu. Mercredi, de l'imposition des mains, comment on peut la pratiquer, est-ce qu'on doit la pratiquer, est-ce que tout le monde peut la pratiquer. Ensuite, on parlera de la prière de la foi jeudi et vendredi, de ce thème si important de mener les hommes à Christ. Aujourd'hui, je veux m'arrêter sur cette chose importante qu'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau est quelque chose de puissant. Le baptême d'eau est quelque chose d'utile. Et je me souviens de mon expérience avec le baptême d'eau. J'étais un peu dans le monde, un peu dans l'église. Quelque part, mon cœur aimait Dieu et j'avais l'impression d'aimer Dieu, mais j'ai appris par la suite que Jésus dit que celui qui l'aime, c'est celui qui garde ses commandements. Alors, je devais faire un choix, c'est de vivre à 100% pour le Seigneur. Et beaucoup de gens hésitent pour se faire baptiser d'eau parce que ils n'ont pas pris la ferme résolution de dire non au monde et de ne vivre que pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors ils hésitent. Le baptême d'eau, qu'est-ce que c'est? Le baptême, déjà le mot baptême, se faire baptiser, ça vient d'un mot qui est baptizo, et ça veut dire être immergé, être plongé dans l'eau. Que ce soit quelque chose, parce que c'était un mot qui pouvait être utilisé, par exemple, lorsqu'on pouvait plonger, des aliments dans l'eau ou des choses dans l'eau, mais aussi des personnes. Le même verbe, être immergé dans l'eau. Le véritable baptême, le baptême biblique, donc dans le Nouveau Testament, concerne toujours le fait d'être immergé dans l'eau. Donc, de manière juste dans le naturel, de manière extérieure, le baptême d'eau, si quelqu'un se fait baptiser d'eau, d'une manière biblique, donc selon la Bible qui est la parole de Dieu, cette personne doit être immergée dans l'eau. Ça, c'est le baptême biblique. Il y a peut-être d'autres baptêmes dans le monde, dans d'autres religions, etc. Mais le baptême qui vient de la parole de Dieu, c'est un baptême où on est immergé dans l'eau. Alors, si vous dites appartenir au Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes convaincu dans votre cœur d'être sauvé, mais que vous n'avez pas été immergé dans l'eau par un baptême réel d'eau, eh bien, vous n'êtes pas baptisé. Vous avez peut-être un baptême religieux d'une certaine religion, mais ce n'est pas le baptême biblique. Deuxième chose importante qu'on voit dans le Nouveau Testament, toujours dans la parole de Dieu, à aucun moment des enfants ont été baptisés. Mais c'était des hommes et des femmes adultes qui étaient non seulement conscients de ce qu'ils faisaient, qui étaient non seulement engagés dans ce qu'ils faisaient, mais c'était une décision personnelle suite à une expérience avec Dieu, expérience du cœur, expérience d'une révélation de Jésus-Christ, c'était une expérience. Même avant la révélation de Christ, le baptême de Jean, c'était un baptême, le même mot, où on était plongé dans l'eau, et c'était des hommes et des femmes qui venaient à lui pour être baptisés, et non pas des enfants, qui n'étaient pas conscients réellement de ce qu'ils étaient en train de faire. Ça, ce sont des choses importantes à savoir. Le baptême d'eau, c'est un engagement, une décision personnelle que nous prenons, une décision, mais aussi une obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, dans Marc au chapitre 16 et au verset 16, il est écrit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors, pour le Seigneur, nous devons croire, être baptisés, et alors nous serons sauvés. Alors, j'ai longtemps enseigné que nous devons croire, bien sûr, être baptisés, on peut l'enseigner de deux façons. C'est le baptême de la nouvelle naissance, parce que notre esprit est comme immergé dans l'Esprit de Dieu, et alors nous sommes sauvés. Mais si on prend simplement textuellement le texte tel qu'il est écrit, celui qui croit et qui est baptisé dans l'eau sera sauvé. Donc, tout le monde, les gens posent la question des fois, oui, mais et donc si quelqu'un n'a pas été baptisé d'eau, est-ce qu'il sera sauvé, etc. On parle du brigand sur la croix, il n'a pas eu le temps d'être baptisé d'eau. Mais si vous êtes vivant et que vous vous posez la question pour vous-même, alors vous devez simplement obéir à l'instruction du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est un fondement de la foi, le baptême d'eau.
Quelqu'un qui appartient au Seigneur Jésus-Christ doit se faire baptiser. Ce n'est pas un devoir, c'est une grâce. Ce n'est pas un devoir, une tâche à faire, c'est une bénédiction. Il y a une grâce qui est rattachée au fait de se baptiser dans l'eau. Qu'est-ce que fait une personne qui se baptise dans l'eau? Cette personne déjà va se faire baptiser dans l'eau par un responsable spirituel. Ça peut être un pasteur, ça peut être quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un de solide, de sérieux, qui marche avec le Seigneur. Et cette personne, lorsqu'elle va être plongée dans l'eau, c'est comme si cette personne mourait. C'est une image, bien sûr, mais plus qu'une image. Un symbole puissant de ce que quelqu'un a vécu, soit au moment où il est baptisé d'eau, soit ça peut être dans certains événements quelques minutes auparavant ou quelques jours auparavant, quelques mois auparavant, de cette expérience de la nouvelle naissance. Avec le contexte de la persécution de l'époque, les gens savaient que s'ils se faisaient baptiser d'eau, ils pouvaient mourir à tout moment. Parce que c'était dans le baptême d'eau que les gens savaient que quelqu'un appartenait au Seigneur. Ce n'était pas seulement le fait de dire « j'appartiens à Jésus » ou « je crois en Jésus », c'était le fait de se baptiser d'eau. C'était tellement puissant et ça l'est encore aujourd'hui. Alors, dans le contexte de la persécution, les gens savaient, comme aujourd'hui dans plusieurs pays du monde, si je me fais baptiser d'eau, je vais peut-être mourir. Et nous le savons, un homme disait qu'il n'a pas pu, il ne pouvait pas avoir beaucoup de chrétiens autour de lui, parce qu'à partir du moment où il baptisait, et c'était dans l'endroit où il était des musulmans, donc des anciens musulmans, ces gens devaient partir rapidement, sinon ils savaient qu'au bout de 2-3 jours, ils allaient mourir. Ça, c'est ce qu'on appelle la persécution. Pourquoi ? Parce que le baptême d'eau, c'est un point final à ce que nous étions auparavant. Le baptême d'eau, c'est ce symbole, lorsqu'en j'entre dans l'eau, c'est un baptême dans la mort. Je meurs, c'est terminé. C'en est fini de moi. Je ne suis plus là. Ma vie n'existe plus. Ma vie dans le monde et le monde n'existe plus pour moi. Le baptême d'eau, c'est une libération du monde. Vous vous souvenez lorsque le peuple a passé dans l'eau, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, ils ont passé dans l'eau. C'était un baptême d'eau. Ensuite, ils ont traversé le désert et ils sont entrés dans le pays promis. J'ai rencontré plusieurs personnes qui disaient qu'au moment de leur baptême d'eau, ils ont commencé à avoir des combats, soit avant, soit juste après. Pourquoi ? Le monde spirituel, satanique, démoniaque, fera tout pour que la personne ne s'engage pas pleinement. C'est une belle chose, et ça vous est peut-être déjà arrivé, comme à moi, de pouvoir encourager quelqu'un à prier. « Seigneur Jésus-Christ, je te reçois, je te demande pardon pour mes péchés. » Mais combien de personnes ont fait ce genre de prière sans jamais s'engager réellement avec le Seigneur Jésus-Christ ? Le baptême d'eau, c'est un engagement devant Dieu, devant les hommes et devant tout le monde spirituel, bon ou mauvais. Lorsque quelqu'un se fait baptiser d'eau, cette personne s'engage, nous disons, par les eaux du baptême avec Christ. Une personne qui appartient à Jésus-Christ doit se faire baptiser. C'est un privilège, c'est une grâce. Et il y a, à cause de cette grâce, une bénédiction rattachée au baptême d'eau. Lorsque je m'engage avec le Seigneur Jésus-Christ dans ce baptême d'eau, lui-même, le Seigneur, s'est fait baptiser comme un symbole. Il n'avait pas besoin d'être baptisé à cause de ses péchés parce qu'il était parfait, il était saint. Il nous a montré un modèle, il nous a montré un exemple. Si j'appartiens à Jésus-Christ, je dois me faire immerger dans l'eau par un responsable spirituel, quelqu'un qui marche avec le Seigneur, par mon pasteur, bien sûr, dans la plupart du temps, parfois dans certaines circonstances, par un frère. Immerger et plonger dans l'eau. Libérer du monde, puisque le baptême d'eau, c'est une libération du monde. Lorsqu'ils ont traversé l'eau à la sortie d'Égypte, on sait que les Égyptiens ont voulu les récupérer. Ils les ont poursuivis. Eux, ils ont été baptisés d'eau également, mais ils sont morts dans cette eau sans pouvoir ressusciter. Et le Seigneur a dit, ces ennemis que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Le peuple a pu regarder derrière lui et voir certains morts peut-être qui flottaient dans l'eau. Il n'y avait plus d'ennemis. Il n'y avait plus d'Égypte. C'était fini. L'Égypte était derrière.
comme le monde est derrière pour quelqu'un qui s'est fait baptiser d'eau. C'est terminé. C'est plus seulement j'appartiens à Jésus-Christ et je crois en lui, je crois qu'il est mort pour mes péchés. C'est je me suis fait baptiser d'eau, je suis mort avec Christ. Et lorsqu'à l'époque de Noé, ils sont passés dans le déluge, ils ont été baptisés tous dans l'eau, par l'eau du déluge. Mais il n'y a que Noé et sa famille qui sont sortis de l'eau. Alors, pour être baptisé d'eau, il faut appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un se fait baptiser d'eau, et j'en ai rencontré, entre autres un homme, il s'est fait baptiser d'eau, il dit « Oui, moi je crois en Dieu », mais il n'avait pas eu cette expérience de la nouvelle naissance. Son cœur n'était pas prêt. Alors c'était juste un bain. Il est resté là, dans l'eau. Il n'est pas ressuscité. Le baptême d'eau, c'est cette identification avec le Seigneur, dans sa mort, et également dans sa résurrection. Lorsque j'entre dans l'eau, je viens dire au monde, c'est terminé. Lorsque j'entre dans l'eau et que j'en ressors, c'est une libération complète du monde. Lorsque j'entre dans l'eau et que j'en ressors, c'est un point final à ce que j'étais auparavant. L'ancien Jérémie n'existe plus. C'est une image, un symbole, mais plus qu'un symbole, une démonstration de ce que, auprès de mes amis, celui que vous ne connaissiez auparavant n'existe plus. C'est un nouvel homme. C'est une nouvelle créature. C'est une nouvelle personne. Le baptême d'eau est puissant. Il vient nous dire que nous sortons, nous sommes libérés d'une entité morale de péché parce que nous étions dans le monde et nous étions pécheurs dans le monde. Nous étions en Égypte. Et lorsque nous passons par l'eau du baptême, quand nous sommes baptisés dans l'eau, lorsque nous sommes plongés dans l'eau, nous sommes libérés du monde. J'ai parlé dernièrement, ces derniers jours et dans plusieurs émissions, vous le savez, du fait de quitter le monde, du fait de sortir du monde. Il y a plusieurs d'entre vous, vous êtes jeunes ou moins jeunes, et vous avez entendu ces choses. Plusieurs, vous avez pris des engagements personnels. Je sais que certains, vous avez abandonné certaines choses. Le vol, le mensonge, la manipulation, la tromperie, etc. Et il faut faire plus que ça. Il faut maintenant vous engager dans les eaux du baptême. Un baptême d'eau qui va mettre un point final à ce que vous étiez auparavant et qui va ouvrir un nouveau chapitre à ce que vous êtes en train de devenir, à la décision que vous avez prise dans votre cœur de lui appartenir à 100%. Vous ne devez pas rester en Égypte en imaginant que, bon, parce que maintenant vous connaissez le Seigneur, tout ira bien. Vous devez sortir de l'Égypte. Vous devez passer par cette eau. Et vous devez entrer à Canaan. Peut-être que le Seigneur vous permettra avec la force que toutes ces choses que vous vivrez à Canaan, de pouvoir en libérer d'autres de l'Égypte. Mais vous ne pouvez pas rester en Égypte. Il est impossible que vous restiez en Égypte. Il est impossible que vous restiez dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Et vous ne pouvez plus rester et être du monde. Vous avez été libéré par le baptême d'eau de cette entité morale du monde, car le monde tout entier gît dans le péché. Le baptême d'eau, c'est quelque chose de puissant. Au point où, comme je l'ai dit, dans certains endroits du monde, lorsque vous êtes baptisé d'eau, vous devez rapidement fuir le pays ou la région, parce que les gens savent que vous êtes devenu chrétien. Les gens savent que vous avez pris un engagement et que c'est terminé. Et dans certains endroits du monde, on peut chercher à vous faire mourir. Il est écrit dans Actes 22, verset 16, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Au moment où vous êtes baptisé d'eau, vous êtes libre du monde. C'est terminé le monde. Le monde entier sait, vos amis savent que c'est terminé. Je me souviens du baptême d'eau d'Annabelle, mon épouse. Elle venait de rencontrer le Seigneur, elle avait fait ses expériences avec Dieu, elle était née de nouveau. Et elle a décidé de s'engager par l'eau du baptême, simplement par obéissance. Elle avait invité plusieurs de ses amis et ses amis étaient choqués. Et ils ont vu ce jour-là et
Ils n'ont pas peut-être pu nous l'expliquer comme ça, mais je sais que c'est ce qui s'est passé dans leur cœur. Ils ont vu au moment où elle a pris ce vêtement blanc et qu'elle a été plongée dans l'eau, c'est fini, c'est terminé. C'est plus la même. Et certainement, on a pu vous le dire, t'es plus la même personne, on te reconnaît plus. Pourquoi ? Parce que je me suis engagé avec le Seigneur Jésus-Christ et j'ai obéi à son instruction en me faisant baptiser d'eau. J'ai dit non au monde et maintenant, j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Personnellement, je crois qu'un baptême d'eau doit être accompagné d'un témoignage audible. Nous devrions proclamer ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous devrions dire avec nos mots quelle a été notre expérience. Nos amis incroyants, nos familles qui ne croient pas au Seigneur, tout le monde entier pourrait et devrait pouvoir être accepté, bien sûr, et accueilli, invité à ce baptême, pour que le monde entier sache que c'est terminé. J'appartiens maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 20, il écrit, il est parlé de ceux qui avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Quand nous passons à travers l'eau, c'est comme si nous passons à travers la colère de Dieu. Et la colère de Dieu est comme bloquée par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, de la même façon que Christ est sorti du tombeau et ressuscité d'entre les morts, lorsque nous sortons de l'eau, nous ressuscitons d'entre les morts. Le monde entier sait à partir de ce moment-là, tout le monde spirituel, que cette personne appartient à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'ai rencontré plusieurs personnes qui, après avoir été baptisées d'eau ou dans les jours qui ont précédé, ils ont commencé à vivre des combats. Parce que le diable essaie de les ramener en arrière en leur disant « Tu vois, tu t'es fait baptiser d'eau et ça n'a rien changé. » Parce que le diable sait et il connaît la puissance et l'utilité du baptême d'eau. Je veux vous encourager, si vous n'êtes pas baptisé d'eau, à vous faire baptiser. Si vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes convaincu de lui appartenir, d'être sauvé, faites-vous baptiser d'eau. C'est un engagement de votre cœur que vous allez lui appartenir à 100%. Et que vous ne ferez pas marche arrière. Notre baptême est un signe de notre délivrance. Maintenant, nous sommes dans l'arche de Dieu. Nous lui appartenons. La Bible dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Et dans Romains au chapitre 6, au verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Le baptême d'eau, c'est une bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est que je suis mort. Quand le Seigneur Jésus a été crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Lorsqu'il a été enseveli dans le tombeau, j'ai été enseveli dans mon baptême et par mon baptême, dans le tombeau avec lui. Mais je ne suis pas seulement mort, je suis ressuscité. Comme il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est sorti du tombeau, la mort ne pouvait le retenir, je ne resterai pas au fond de l'eau, je ressors en nouveauté de vie. Et l'autre bonne nouvelle du baptême d'eau, c'est que maintenant, je suis à Christ. J'ai fait une alliance par le baptême d'eau avec lui. Je lui appartiens à 100%, je ne reviendrai pas en arrière. Gloire à Dieu. Alors, on va avoir un temps de prière. Et pendant ce temps de prière, alors que plusieurs d'entre vous n'avez pas encore été baptisés d'eau, je vais vous encourager à pouvoir prendre une décision dans votre cœur. Parce que plusieurs d'entre vous, vous n'êtes pas baptisés d'eau parce que vous n'êtes pas prêts à vivre pour le Seigneur à 100%. Et dans cette catégorie de gens qui ne sont pas baptisés d'eau parce qu'elles ne veulent pas, elles ne sont pas prêtes encore à s'engager à 100% avec le Seigneur,
il y a certains qui sont sauvés et d'autres non. Si vous appartenez au Seigneur, vous devez vous faire baptiser d'eau. Si vous n'appartenez pas au Seigneur, vous devez lui appartenir et lui donner votre cœur. C'est pourquoi là où tu te trouves en ce moment, mon ami, si tu n'appartiens pas encore au Seigneur Jésus-Christ, tu dois te détourner de ta vie passée, renoncer à ta vie présente, abandonner tout pour lui maintenant. Et tu dois te faire baptiser d'eau. En renonçant au péché, en renonçant à ta vie passée et présente, et en acceptant de marcher à la suite du Seigneur Jésus-Christ, à le suivre. Le baptême d'eau nous sauve du monde. Le baptême d'eau nous sauve de l'Égypte. Le baptême d'eau nous sauve de notre vie passée. Plusieurs d'entre vous, vous avez été baptisés étant petits, par quelques gouttes d'eau. Vous n'étiez pas conscient de ce que vous faisiez. Et aujourd'hui, vous devez prendre une décision en tant que personne responsable, ayant fait une expérience de cœur avec Dieu, convaincu qu'il vous a sauvé, vous devez être immergé, plongé dans l'eau, par l'Église, par un responsable spirituel, votre pasteur certainement. C'est un engagement important. Et Père, je prie pour toutes ces personnes qui n'ont pas fait encore cette expérience formidable du baptême d'eau. Merci parce que par ce baptême d'eau, tu nous rends puissants. Tu as voulu, Seigneur Jésus-Christ, avec la Sainte Seine, c'est peut-être la seule chose que tu nous as donnée, la seule expression extérieure que nous devons faire. C'est une puissance. Et je veux te remercier, Seigneur Jésus-Christ, pour toutes les personnes qui aujourd'hui prennent la décision de se faire baptiser d'eau. Parce que leur vie va changer. Et leur vie doit t'appartenir à 100%. Et je prie également, Père, pour tous ceux qui sont déjà baptisés d'eau et qui peut-être se sont refroidis, ont oublié leur engagement. Comme Paul disait à Timothée, je me souviens du témoignage que tu as rendu devant un grand nombre de témoins. Seigneur, nous ne voulons pas oublier notre témoignage. Nous ne voulons pas oublier notre engagement. Nous t'appartenons, nous sommes à toi. Mon frère, ma sœur, toi qui as été baptisé d'eau, souviens-toi de ton engagement avec Christ. Souviens-toi où tu étais lorsqu'il t'a pris. Dans ce temps de prière, demande au Seigneur, « Seigneur, montre-moi, rappelle-moi d'où tu m'as pris. Rappelle-moi l'engagement que j'ai posé ce jour-là. Montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie, là où j'ai baissé les bras, là où je me suis désengagé, là où j'ai arrêté d'avancer, là où je me suis arrêté, là où j'ai même peut-être fait demi-tour. Montre-moi si je suis sur un mauvais chemin, sur le chemin de l'Égypte, en voulant retourner en arrière, comme le peuple qui disait « Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. » Montre-moi si je suis une de ces personnes. Dans la prière, tu peux le demander au Seigneur. Seigneur, est-ce que je suis encore sur le chemin resserré, étroit qui mène à la vie? Ou est-ce que j'ai commencé à boire, à manger, à frapper mes compagnons? Est-ce que les soucis de la vie, mes inquiétudes ou même des convoitises m'ont emporté loin de ce baptême d'eau, loin de cet engagement? Dans ce temps de prière, mon frère, ma sœur, je vais te laisser un temps avec le Seigneur. Tu dis, Saint-Esprit,
Est-ce que mon vêtement est encore blanc? Est-ce que mon vêtement est encore pur? Ou est-ce qu'il y a des taches? Seigneur, viens me laver encore. Viens me purifier encore. Tu m'as purifié, tu m'as sanctifié. Je ne veux pas être comme la truie qui retourne à son bourbier, à sa saleté, comme le chien qui retourne à son vomi. Tu m'as sauvé, tu m'as libéré. Je veux marcher sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Je veux que mon vêtement soit blanc, soit pur devant toi. Saint-Esprit, agis dans les cœurs, s'il te plaît, maintenant. Fais ce que mes mots ne peuvent pas faire. Fais ce que je ne peux pas faire par moi-même, par mes mots, par mon enseignement, par mon instruction, Saint-Esprit. Agis dans les cœurs maintenant. Pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui ne le sont pas, pour ceux qui doutent et qui hésitent, et pour ceux qui marchent avec toi, que chacun reçoive grâce, bénédiction, instruction, révélation, rafraîchissement spirituel. Oui, Seigneur, fais-le maintenant. Fais-le maintenant, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ. Merci pour les engagements. Merci pour les décisions personnelles. Alléluia. Merci parce que ce jour est béni. C'est une décision du cœur d'être à toi, de vivre pour toi. On ne sera pas entre les deux. On ne sera pas un pied dedans, un pied dehors. L'arche était fermée. Toutes les fenêtres, les portes étaient fermées. Qu'il en soit ainsi par rapport au monde. Merci, précieux Père. Vous avez pris la décision de vous faire baptiser d'eau, c'est une excellente chose. Parlez-en à votre pasteur, parlez-en à votre responsable spirituel et faites-vous baptiser d'eau. N'hésitez pas à nous apporter votre témoignage, ça nous bénira. Félicitations pour votre engagement, votre décision d'être à 100% pour le Seigneur Jésus-Christ. Je dis à demain dans Prière Inspirée, on va parler de la volonté de Dieu, comment on peut chercher et trouver la volonté de Dieu pour notre vie. Vous êtes bénis.